Bonsoir, c'est Hugo. Aujourd'hui, nous sommes sur Fallout 4. Bon, pensant qu'il y a le chargement, moi j'ai le temps de manger mon petit goûter. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Alors. Oui, confirmez le personnage. Je suis moche, mais je suis un héros. Eh, hey, regardez, il y a mon bébé. Putain, mais on dirait une poupée. Une poupée, putain, la gueule. Bon, bah moi, je vais faire comme tout personne au RSA. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de changer de petit chaud. Putain, heureusement que j'ai un robot, hein. Tu peux aller ouvrir ? Oh, la vache. Sans doute ce représentant. Bonjour, société Voltec. Voltec ? Qu'est-ce que vous faites déjà ? Une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Il y a cette place. Je sens le gros bâtard. Il y a ces places. Il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. Oh non ! Je veux pas quitter Monsieur Robot. Dites-moi en plus, sarcastique. On sent qu'il y a machin qui parle. J'ouvre mes petits Lulu chocolat là. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. Bah, du coup, je vais dire d'accord. Oui. Hein. J'accepte. Très bien. Très bien. Alors, voyons. Oula. Moi, je connais rien. Alors, je m'appelle. Non, ouais, ça va être trop facile. On va s'appeler. Non, non, ce serait trop facile. Ou alors, on va s'appeler... Parfait. Ouais, la force, c'est nul, alors bon. La force, c'est pour les pudés. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Ouais, ta merci gueule. Merci encore. J'ai entendu Codsworth. Allez, allez. Eh oh, c'est bon, hein. Je suis pas un esclave non plus. Chérie, t'inquiète pas. Suis-moi. Allez, viens, chérie. Bon, alors, nous sommes avec des vieux, des dames. Nous aussi. Waouh. Voilà, ça c'est quand je sors une punchline de Darkos réaction. Oh putain, mais. Cap-toi. Je pose ma manette, je veux manger mes Lulu et. Il vibre l'autre. On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Pas de chance. Ouvre. Ah, Vic va nous voler notre bébé, c'est ça? Ah, j'ai les fourmis des pieds, putain! Putain, je savais que c'était Vic derrière tout ça. Il a fait une vidéo sur Fallout et il a pas eu de succès, du coup il se venge sur moi. Waouh. Oh, la manette qui déconne quoi à chaque fois. Un vrai plaisir. Et toi? Putain, il va me défoncer! Enculé! Bon bah, moi j'ai terminé, hein. Oh putain, j'ai pas vu le nez par contre. Enculé, putain. Ah, j'aime bien les manettes qui pètent un câble à chaque fois. Putain de... merde, enculé de manette. Ah, la survie, ça sera pas pour moi. Je vous prends pas fort. Ah. Ouh la vache. Paf. Oh putain, il se ramène. Absété. Ouais, tchot. Putain. Heureusement que je commence avec 100 balles, parce que sinon... Allez, on va pas rester longtemps non plus, hein. Moi, je veux revoir mon ami robot. Juste ça. Ouh. Un gros cafard. Putain d'enculé. Non. Ouais, c'est pas mal, sinon, ça. Je vais revoir ma maison si je la retrouve. Ah, oh, bah tiens. C'est vraiment vous. Oui. Vos interlocuteurs refusent parfois de vous payer ou de vous relever ce qui... Ça va? Codsworth, tu as un comportement un peu... étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous Madame et le jeune Sean.
Allez, oui. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. Ah, j'ai mon ami le robot. Oh la vache! Oh, il faut pas déconner avec Cotsword. Suivez-moi. Attends, je prends la glande. Ok. Madame et le jeune chaude, ils ne sont pas là. Père de temps, ne t'en fais pas. Sean est là, quelque part, Cotsworth. Je dois le retrouver. Et concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Ça ne m'aide pas. Bon. Wow. Putain, enculé de mur. Arrête, j'ai peur de taper le robot, là. Ah, du coup, il reste ici. Oh, le pauvre, qu'on va s'arrêter là, avec notre gentil ami le robot. Attends, la carte, elle nous dit où? Là-bas. Écoute, mon enfant, fais ce qu'il dit. Achète Fallout 4 pour pouvoir avoir le nouveau The Elder Scrolls. De toute façon, les modes sont plus chers.